Alors ici, on a tracé la courbe représentative d'une certaine fonction g, donc c'est la courbe d'équation y égale g de x. Et ce que je voudrais faire ici, c'est essayer de déterminer quelle est la limite quand x tend vers 5 de g de x. Alors, on a fait ça plusieurs fois déjà, donc ça devrait se faire assez facilement. Quand x tend vers 5 par valeur inférieure à 5, donc par la gauche comme ça, eh bien tu vois que g de x tend vers cette valeur-là ici, qui est donc moins 6. Et puis quand x tend vers 5 par les valeurs supérieures, supérieures à 5, en venant de la droite, eh bien g de x se rapproche comme ça, tend vers donc cette, ce point-là aussi, cette valeur-là ici, qui est donc moins 6. Donc comme les deux limites à droite et à gauche coïncident, on peut en déduire que la limite quand x tend vers 5 de g de x, eh c'est la valeur et là, ce qui est intéressant à remarquer, c'est que euh, en fait, cette limite-là, la limite quand x tend vers 5 de g de x, eh bien, ce n'est pas l'image de 5 par la fonction g, puisque g de 5, eh c'est cette valeur-là, c'est 0 en fait. Hein. Alors justement, l'objectif de cette vidéo, c'est de bien comprendre ce que nous dit une limite sur une fonction. En fait, une limite nous dit simplement quel est le comportement d'une fonction quand la variable approche une valeur donnée. En particulier, ça ne nous dit rien sur la valeur de g en ce point-là. Par exemple, ici, on voit bien que g de 5 n'est pas égal à la limite de g quand x tend vers 5. Et puis aussi, ça ne nous dit absolument rien sur ce, que, ce qui se passe pour la courbe et pour la fonction, donc, dans d'autres valeurs en fait, ça ne nous dit absolument rien sur la courbe représentative de la fonction, ailleurs que au voisinage de cette valeur. et d'ailleurs, on pourrait tracer de très, très nombreuses courbes euh, très différentes de celle-ci, pour laquelle la limite en 5 serait quand même égale à moins 6. donc, je vais essayer de tracer la courbe représentative d'une fonction f qui est telle que la limite quand x tend vers 5 de f de x est égale à moins 6 aussi, mais qui soit complètement différente de la fonction g, donc avec une courbe complètement différente. Alors, mets la vidéo sur pause, essaye de réfléchir à ça, et puis on se retrouve. Alors, la clé ici, c'est de bien comprendre que la seule chose qu'on veut pour l'instant, c'est que quand x approche la valeur 5, eh bien f de x approche la valeur moins 6. Donc, par exemple, je peux construire une courbe comme ça, je peux tracer cette courbe-là, qui est par exemple défini pour x égale 5, et on aurait du coup f de 5 égale à moins 6, et puis ensuite qui fait quelque chose comme ça, par exemple. Voilà. Ça c'est donc la courbe de la fonction f, donc la courbe d'équation y égale f de x, et tu vois que ça marche. Hein. Quand x approche la valeur 5 par valeur inférieure, f de x s'approche de la valeur moins 6, et quand x tend vers 5 par valeur supérieure, et eh bien f de x tend vers moins 6 aussi. Donc on a bien limite quand x tend vers 5 de f de x égale à moins 6, et tu vois que la courbe est complètement différente de celle de g. Mais bon, bien sûr, il existe des tas d'autres exemples. Je pourrais trouver une autre fonction, je vais l'appeler h, telle que la limite de h de x quand x tend vers 5 est égale à moins 6, et puis cette fonction-là, je vais tracer sa courbe, sa courbe représentative, Disons que pour les valeurs inférieures à moins 6, elle est comme ça, c'est une fonction constante. Elle est définie ici, à h de moins 6, c'est 4. Et puis ensuite, il y a un saut, elle, elle le reprend ici, disons. Euh, voilà, là, la valeur pas, cette valeur ici n'est pas comprise. Mais ensuite, elle est aussi constante jusqu'à cette valeur-là, moins 2, par exemple. Et puis ensuite, peut-être qu'elle est pas du tout définie entre moins 2 et disons 3. Et puis à partir de 3, elle reprend ici. Voilà. Et elle est constante comme ça à la valeur moins 6. Tu vois que dans ce cas-là, quand x tend vers 5 par la gauche, h de x tend vers la valeur moins 6. Et quand x tend vers 5 par la droite, h de x tend également vers la valeur moins 6. Donc on a bien limite quand x tend vers 5 de h de x égale moins 6. Et tu vois que là encore, on a une autre courbe complètement différente. Et bien sûr, ça ce sont deux exemples, mais en fait tu peux en trouver vraiment une infinité. Donc ça c'est pour illustrer le fait qu'une limite en un point donné ne nous donne des indications que sur le comportement, l'allure de la courbe aux alentours de cette valeur-là. Alors il y a une autre chose qui est intéressante, donc je vais effacer tout ça. C'est qu'habituellement, on calcule des limites, on, très souvent, on calcule des limites surtout dans des points comme celui-ci, qui, euh, euh, qui ont quelque chose de particulier. Donc tu vois, ici, pour x égale 5, il y a une discontinuité, la courbe est discontinue, il y a un trou et un saut. Donc c'est un point particulier. Mais en fait, on peut calculer des limites aussi dans des points, disons, normaux. Hein. Par exemple, j'aimerais que tu essayes de déterminer la limite de g de x. Quand x tend vers la valeur 1, tu vois que la valeur 1 est un point tout à fait normal, il n'y a aucune discontinuité dans la courbe. Donc à toi de jouer, mets la vidéo sur pause et on se retrouve une fois que tu as réfléchi. Alors quand x tend vers 1 par, la, par valeur inférieure, eh bien g de x tend vers ce point-là ici. Donc qui a pour ordonner une certaine valeur disons, moins 5,1 à peu près, et quand x tend vers 1 par valeur supérieure en venant de la droite, et eh bien g de x tend vers cette valeur-là également. Et en fait, tu vois que cette valeur-là, et eh bien finalement, c'est l'image de 1, donc c'est g de 1. Donc ce qu'on obtient ici, c'est que la limite quand x tend vers 1 de g de x, et eh bien c'est g de 1, l'image de 1 par la fonction g. Et puis on peut donner une estimation de cette valeur, alors évidemment graphiquement ici, on... On va trouver une valeur approchée, simplement. Et ici, on peut dire que c'est environ moins 5,1, peut-être moins 5,2. On ne sait pas très bien exactement. On peut calculer, bien sûr, d'autres limites. Par exemple, on peut calculer la limite de g de x quand x tend vers, disons, pi. Pi, c'est un nombre. Alors, pi, c'est à peu près ici. 3,14, donc c'est à peu près là. Et tu vois que son image est ici. Ça, c'est g de pi. Et donc, si je dois calculer la limite de g quand x tend vers pi, eh bien, si je m'approche de pi, si x tend vers pi par valeur inférieure, la valeur g de x tend vers cette valeur-ci, qui est donc g de pi. Et quand x tend vers pi par valeur supérieure, en venant de la droite, eh bien, g de x va tendre également vers cette valeur ici. Donc, ça veut dire que la limite... Quand x tend vers pi de g de x, eh bien c'est g de pi. C'est ce qu'on peut en conclure ici. Et on peut, comme tout à l'heure, donner une valeur approchée qui est ici, ça c'est un hasard, la même, à peu près la même que tout à l'heure, donc moins 5,1. Donc voilà les deux conclusions de cette vidéo, c'est qu'on euh, peut avoir une infinité de fonctions qui ont la même limite en une valeur donnée de la variable. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et puis aussi, on peut calculer la limite d'une fonction en une multitude de valeurs, une infinité de valeurs en fait. Et ça, c'est important à garder en tête parce que tu verras qu'à la plupart du temps, on ne calcule des limites que dans des points particuliers pour lesquels il y a une discontinuité.